Ça va aider les amis aujourd'hui, 79e jour de l'aventure, réveil à Vientiane, capitale du Laos. Les amis, c'est la dernière journée aujourd'hui au Laos. Le road trip, c'est terminé. Je suis rentré hier soir. Je suis très content d'avoir passé les deux dernières semaines de mon séjour à explorer le Laos à moto. C'était vraiment cool. J'ai regardé le compteur hier, 2300, un petit peu plus de 2300 km. Parcouru. Et hier c'était la journée vraiment la moins intéressante. Et je vous l'avais expliqué aussi il y a quelques jours, je suis rentré en faisant des grosses étapes depuis Paxé. Je suis rentré en deux jours en fait, même si j'ai fait une pause d'une journée à Takek. Je suis resté à Takek sans rien faire. Mais j'ai fait donc Paxé Takek, environ 340 km. Et hier Takek Vientiane, environ 340 km. C'était la même distance, sauf que hier j'ai mis 1h30, quasiment 2h de plus pour faire le même nombre de kilomètres, parce que de Vientiane jusqu'à Takek, il y a une bonne partie du trajet où la route est en rénovation, ils refont des routes. J'ai bouffé la poussière, mais un truc de fou. Je suis arrivé hier soir ici, j'étais marron. J'ai pris une douche, mais l'eau elle coulait marron. J'étais dans un vraiment sale état. Je suis arrivé hier, j'étais vraiment content. Mais oui, ce road trip, c'était vraiment cool. J'ai adoré. Et donc aujourd'hui, bien, c'est la dernière journée au Laos. Je n'ai qu'un seul objectif aujourd'hui, c'est d'aller me faire couper les cheveux. Ça fait un moment que je veux aller chez le coiffeur. Je vais pouvoir tester le coiffeur laotien aujourd'hui. Je vais commencer la journée par aller au Talat Sao, le marché du matin. J'ai envie de manger quelque chose au marché. Et puis, je pense que je devrais trouver facilement un coiffeur pas très loin du marché. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée à Vientiane, la dernière journée au Laos. Yeah.
ça m'a aidé. Alors, ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé, j'ai passé beaucoup de temps ce matin au Talatsao, le marché du matin. Je l'ai traversé en long, en large, j'ai fait le tour une fois, deux fois, trois fois. Vous savez, le marché est grand, il y a une partie mall, il y a une partie boucherie, viande, il y a une partie fruits, légumes, une partie vêtements, j'ai fait le tour partout. Je vous ai dit que je cherchais un coiffeur, je n'ai rien trouvé du tout. Quand j'ai quitté l'hôtel ce matin, le manager m'a dit « Oh là là, tu verras, il y a plein de coiffeurs au Talatsao, c'est pas un souci et tout ». J'ai fait le tour je ne sais combien de fois, je fais c'est une blague ou quoi? Alors j'étais pas omnibulé par ça, hein. Je me suis baladé, j'ai pris le temps, j'ai flâné et tout, mais j'ai regardé partout, je n'ai rien vu. J'ai vu des coiffeuses qui coiffaient des femmes, il y avait des salons de coiffure pour femmes, mais je n'ai rien vu pour les hommes. Je me suis dit c'est vraiment un comble, c'est pas possible, on me fait une blague. Bref, je me suis dit je laisse tomber, je vais chez Joma Bakery. J'avais envie de manger un cinnamon roll, en fait j'y suis allé hier quand je suis revenu donc de mon road trip. Je suis arrivé hier en fin d'après-midi à la Joma Bakery, il n'y avait plus de brioche à la cannelle. Là, c'était la déception, j'ai retenu mes larmes dans la boulangerie. Donc je suis allé ce matin pour manger un cinnamon roll qui était délicieux, hein, toujours aussi bonne. Ces petites brioches avec un café bien sûr. Et pour la suite du programme, il y a un vat, un temple bouddhiste qui m'intéresse. Et sur le chemin de ce temple que je n'ai pas encore visité, là je suis tombé sur un petit salon de coiffure. Alors c'est assez court mais je suis content, ça fait un moment que je voulais les couper un peu court. Les dernières fois aux Philippines, au Vietnam, ils n'avaient pas beaucoup coupé sur le dessus. Là il a coupé un peu plus, ça fait du bien aux cheveux. Et la coupe de cheveux les amis, seulement 20 000 kip là où je viens de regarder, c'est 1,08€ exactement, un tout petit peu plus d'1€. Et le coiffeur était particulièrement sympathique. Quand je suis arrivé, je lui ai demandé si je pouvais filmer. Il m'a dit oh, y a pas de problème, vas-y tu filmes et tout. Au départ j'avais l'impression qu'il partait un peu dans tous les sens, et puis finalement à l'arrivée on se rend compte qu'il a été assez attentionné, méticuleux. Il a passé beaucoup de temps autour des oreilles et il est repassé vraiment partout. Il a désépaissi un peu sur le dessus. Je suis maintenant dans une ruelle qui était très calme. Quand je suis arrivé il y avait personne, et là du coup il y a plein de femmes qui sont arrivées, qui sont en train de bavarder. Et je me prends un café Nam Yen bien sûr, un café au lait glacé. Je n'ai pas eu besoin de demander, de préciser, la femme me l'a servi dans un verre en verre, ça fait plaisir. Et le fameux temple dont je vous ai parlé qui s'appelle Wat Simwong, il est juste à côté. Donc je sirote tranquillement mon café et on va aller découvrir ce joli temple bouddhiste Wat Simwong. Une nouvelle abonnée, Kop Chai, thank you, merci beaucoup madame.
je vous retrouve enfin les amis au pied du Patou Sa, l'emblème, le monument national du Laos, c'est l'Arc de Triomphe du Laos. Alors nous étions passés plusieurs fois autour avec Madeleine, mais je ne vous avais pas dit quelques mots sur ce monument. Patou, ça veut dire porte ou ça veut dire passage. Sai, c'est la victoire, c'est la porte de la victoire, le passage de la victoire ou l'Arc de Triomphe. Ce monument, il est dédié à tous les combattants qui se sont battus pour le Laos. Il a été construit entre 1957 et 1968. Petite précision, quand j'étais venu il y a 17 ans, on pouvait monter tout en haut. On avait un joli point de vue sur la ville et c'était l'endroit parfait pour le coucher de soleil. Visiblement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On ne peut plus monter tout en haut. C'est le monument à découvrir quand on vient visiter le Laos ou explorer la ville de Vientiane, le Patou Sai. Voilà, c'était la dernière journée au Laos. Je suis ravi du séjour que j'ai passé ici. Je suis ravi d'avoir redécouvert ce pays après 17 ans d'absence. J'espère ne pas attendre aussi longtemps avant de revenir. Mais de toute façon, j'ai encore beaucoup de choses à explorer, à redécouvrir dans ce pays. Je pense tout ce qui se trouve donc au nord du Laos, au nord de Luang Prabang. Je pense par exemple à Nuang Nam Tha, que j'avais découvert il y a 17 ans. Je pense à la région de Phong Savan, je pense au village de Nong Kyo. Le Laos, comme ça, sur la carte, on regarde, on dit bon, finalement, c'est pas si grand que ça. Mais il y a beaucoup de choses à explorer, il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce pays. J'ai adoré les deux dernières semaines, le road trip vers le sud du pays. Partir, rouler à moto, et puis surtout, ne pas savoir où on va dormir le soir, s'arrêter quand on a envie de manger, s'arrêter quand on a envie de boire et puis tout simplement s'arrêter quand on est fatigué. C'était vraiment cool. Aujourd'hui, dernière journée, un peu à l'image de ce voyage, une journée bien tranquille, bien paisible. C'est vrai que je trouve ce pays hyper reposant. Hier, j'ai posté une story en mettant le Laos est un pays apaisant. C'est vrai que c'est très agréable de voyager au Laos. Les Laotiens, je les trouve vraiment zen. Jamais un mot plus haut que l'autre. Clairement, ça a été un vrai bonheur de repasser un mois dans ce pays. Et puis donc, fin d'après-midi, visite de Patou Sai, le coucher de soleil au bord du Mekong. Très beau coucher de soleil encore ce soir. Petit passage au night market, la fête foraine. Et puis pour dîner, j'ai encore mangé un plat que j'ai mangé de nombreuses fois pendant ce séjour. Stir fry de basil, basilic thai, viande sautée, en l'occurrence viande de porc ce soir, avec beaucoup de piment, un œuf frit et bien entendu du riz. J'ai payé pour ce plat ce soir 60 000 avec une bière Lao. Évidemment, dernier jour, je me devais de boire une dernière bière Lao. 60 000
1000, ça fait dans les 3,30€. Je ne vous ai pas parlé du plat que j'ai mangé ce matin au Talat Sao. C'était de la viande de bœuf sautée avec du poivre vert. Il y avait carrément les grappes, les grains entiers de poivre vert. C'était vraiment excellent. Je me suis régalé et ce matin, j'ai payé 25 000 kiplao dans les 1,30€. Donc ce plat de ce matin et le plat de ce soir, j'aimerais les dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Julien, Don et Ouria et Philippe. Merci beaucoup, beaucoup à vous trois pour votre soutien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée dans un nouveau pays, pour une nouvelle aventure. Ciao, good night.